Les députés se réfèrent aux révélations du ministre des PTNTIC sur le détournement du fonds qui devrait permettre la connexion de la RDC par un réseau organisé. Sur ce, ils se disent émus par la teneur du rapport et l'ampleur des détournements des fonds tels que présentés par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le backbone national en fibre optique. Nous sommes très préoccupés par les retards avec lesquels la RDC a été connectée au câble international en fibre optique et aux conséquences que le pays subit à ce jour suite au détournement et à la mégestion criante de fonds alloués à ces projets. Le membre du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC-RDC, soutiennent totalement la décision de la plénière de voir le bureau de l'Assemblée nationale transmettre les conclusions de la dite commission très rapidement auprès des cours et tribunaux. Les réseaux des parlementaires africains contre la corruption, APNAC-RDC, restent attentifs et regardants quant à l'issue de ce dossier. Le réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC-RDC, par son président, le député national Passisa Pambabouka Jean-Pierre, reste attentif et regardant quant à l'issue de ce dit dossier fibre optique.